et messieurs, si vous voulez bien prendre place. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, nous assistons aujourd'hui à la 5e édition des États généraux du droit administratif. Pour le président du Conseil national des barreaux, c'était évidemment un honneur et un plaisir de recevoir le président du Conseil d'État et les magistrats qui l'entourent et tous les magistrats du corps administratif. Cette journée s'inscrit dans désormais la durée et le partenariat qui est le nôtre, avocats et juridictions administratives. Je veux dire, sans faux semblant, que les avocats sont sensibles à la confiance et à la volonté du Conseil d'État de travailler et de collaborer avec notre profession. Permettez-moi de saluer aussi la qualité du travail que nous mettons en commun sur, notamment, l'accès dématérialisé, vous y tenez, Monsieur le Président, et vous avez raison, nous y tenons tous désormais, aux juridictions administratives grâce à télérecours, via la plateforme e-barreau que le Conseil national des barreaux gère. Je n'ignore pas, Monsieur le Président, que vous souhaiteriez, je le souhaite avec vous, que télérecours devienne non pas une contrainte, mais un mode déterminé définitivement pour accéder aux juridictions et y suivre les procédures. Ces états généraux sont un lieu, bien sûr, de rencontre et d'échange, et ce forum permet, pour nous avocats, de nous familiariser davantage encore chaque jour à la matière administrative et du droit administratif. Le droit public représente pour les avocats un champ d'exercice et d'activité qui recèle de très importantes potentialités. Le propos n'est pas corporatiste, il est réaliste, mais nous devons nous en souvenir. Le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, le conseil aux collectivités locales, le droit des contrats, qui était le thème retenu pour les éditions de 2014, d'ailleurs. Dans tous les aspects du droit public, comme dans toutes les autres matières, les avocats répondent aux nécessités et aux demandes des concitoyens et des entrepreneurs dans le cadre des activités de conseil et de défense. Nous avons été sensibles aux importantes évolutions qui ont transformé la procédure administrative depuis le début des années 2000. Outre les référés qui nous occupent aujourd'hui, je pense notamment à la généralisation du passage des écritures aux observations orales, tandis que les avocats observent qu'en matière judiciaire, c'est un peu le mouvement inverse qui aurait tendance à se développer et à nous contraindre, ce qui n'est pas toujours admis ni agréable. Cette évolution de 2000 qui a conduit à la création de l'expert et aux efforts faits pour que les décisions soient rendues dans des délais beaucoup plus raisonnables, et à ceux portant sur la rédaction des décisions qui sont devenues plus compréhensibles pour le justiciable. Ce n'est pas impertinent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je crois que c'est une bonne évolution. On répète souvent que le bon fonctionnement de la justice et son efficacité sont des indicateurs de bonne santé d'une démocratie. La Constitution garantit à toute personne le droit à une procédure équitable et publique, dans un délai raisonnable, devant un tribunal compétent, impartial, indépendant. La justice administrative n'échappe pas à ces principes, et parfois même son histoire les a anticipés. Avec la loi du 15 juin 2000 et les référés suspension, référés liberté, référés mesures utiles, le juge administratif a opéré une évolution essentielle, ce qui le place désormais comme un défenseur de premier plan des droits fondamentaux des libertés. Ce n'était pas un mouvement spontané,
Mais nous, vous y êtes parvenus et nous l'avons désormais à l'esprit ensemble. Les procédures de référé participent de cette garantie effective des droits, de l'accès aux droits et à la justice. Vous savez combien nous sommes sensibles à ces questions. La question de l'urgence au cœur des référés nécessite des adaptations de l'office du juge. De manière évidente, cette question a trait au temps, celui du justiciable et celui du juge qui se rejoignent. D'un côté, le justiciable a besoin d'une décision rapide, car il estime qu'une liberté, que sa liberté est en jeu. De l'autre, le juge doit adapter son rythme de travail et de réponse à la demande qui lui est faite. Le temps du juge est celui de la prise de décision indépendante et impartiale à un moment distancié du problème qui lui est soumis. Avec le référé et l'urgence, le facteur de distance temporelle est profondément modifié dans le sens d'une plus grande réactivité. Cela ne signifie pas que la décision prise dans l'urgence n'est pas une bonne décision, loin s'en faut. En tout cas, cet aspect de la justice administrative a un impact sur l'évolution du travail qui est le nôtre et de la manière dont nous devons, nous avocats, définir la stratégie juridictionnelle dans l'intérêt de nos clients. Ce qui nous importe dans le contentieux de l'urgence est notamment la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de règles fondamentales liées au procès équitable. Les avocats ont parfaitement intégré les adaptations nécessaires que la condition de l'urgence a apportées au contradictoire, en permettant le développement de l'oralité dans les débats, je viens de le dire, et la procédure, alors que les procédures contentieuses sont traditionnellement écrites devant le juge administratif, nous assistons par conséquent à une évolution dans la souplesse et dans le contradictoire. Le fait que les justiciables et leurs avocats se soient emparés des procédures de référé conduit le juge administratif à faire face et à s'adapter à une montée quantitative des contentieux de l'urgence. Ce faisant, c'est la capacité du juge à répondre à une demande sociale plus forte et précise en matière de protection urgente des droits fondamentaux des justiciables qui est testée dans cette évolution. Le juge administratif et singulièrement le Conseil d'État se trouvent alors plus exposés qu'ils ne le sont habituellement. Être plus proche des justiciables, devoir faire preuve de réactivité lorsque les libertés fondamentales sont en cause, mais le juge plus directement en contact avec la pression de la société et ses enjeux politiques. J'en veux pour preuve les récentes décisions dans les affaires Vincent Lambert, dans des affaires qui sont d'une criante actualité, VTC, taxi, dans l'affaire Dieudonné, Mbala, dans lesquelles il fallait aussi faire face à une extrême médiatisation, selon un temps et un langage auxquels il fallait s'adapter, notamment pour faire preuve de pédagogie, afin que la décision soit comprise et intégrée par la société à l'heure où la demande de droit est croissante. Cette demande de droit, vous me permettrez de l'évoquer rapidement pour le futur, peut aussi recevoir une réponse grâce à la proposition du Conseil d'État de créer le référé conciliation. Monsieur le vice-président, vous avez suggéré le 17 juin dernier deux axes pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative. Nous en avons parlé, vous et moi, vous m'avez fait part de vos projets, de votre vision, et je les partage. Je dis, comme président du Conseil national des barreaux, que lorsque je dis au vice-président du Conseil d'État que je partage son point de vue, je ne l'impose à personne. J'ai simplement la liberté de dire que je peux partager. Il faut compléter, diversifier, sécuriser la boîte à outils du juge par des instruments de droit pur. À cet égard, le Conseil national des barreaux sera heureux de travailler avec le Conseil d'État pour développer la procédure participative en droit administratif, qui présente l'avantage d'une sécurité juridique indiscutable.
Vous avez peut-être vu, entendu, la communication institutionnelle actuelle du Conseil national des barreaux, précisément sur la procédure participative, son aspect transversal. Et insister, le rappeler, me permet de dire qu'il s'agit là d'une vraie réponse et aussi d'un défi, puisqu'il s'agit de permettre à nos partenaires, à nos clients, quels qu'ils soient, de contractualiser leur contentieux et leur sortie du contentieux, et de permettre, sans courir constamment, spontanément, instantanément devant le juge, de préparer d'abord le dossier qu'on va lui porter, et par conséquent d'alléger la charge du juge, mais de conserver son rôle comme celui de l'arbitre qui doit apporter la réponse aux questions qui sont posées. Je souhaite, je forme le vœu, que des conventions type de promotion de recours aux modes alternatifs de règlement des différends se développent, comme il en existe désormais au moins une avec le barreau de Lyon. Sur le terrain du développement des modes alternatifs de règlement des différends, y compris en matière administrative, vous trouverez chez les avocats, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les magistrats, le soutien et la réponse à toute la concertation que vous souhaiterez mettre en œuvre sur le sujet. C'est peut-être un travail en commun et un premier bilan ou une première vision que nous pourrons aborder pour les états généraux de l'année prochaine. Quant à ce jour, je souhaite que ces états généraux permettent à chacun d'enrichir l'échange entre les avocats et les magistrats pour un meilleur sort des conflits qu'ils ont à gérer pour leurs clients. Je voudrais terminer ce propos en disant que les avocats ne sont pas satisfaits de la loi sur le renseignement qui vient d'être votée. Ils ne le sont pas et nous savons, nous venons d'en dire un mot, que le contrôle définitif de toute intrusion que les services de renseignement pourraient imaginer, je préfère dire à l'encontre qu'à l'égard des professions protégées, dont celle des avocats, que l'ensemble de ces modes finira peut-être par être régulé par le Conseil d'État et le référé qui est envisagé à la suite des décisions de la commission de régulation. Je ne peux pas dire que c'est un progrès, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les magistrats, ce n'est pas ce que les avocats espéraient. Ce que les avocats prétendent, même en matière, même devant les juges administratifs, c'est que le secret professionnel est absolu et que le renseignement intrusif est un mauvais coup porté au secret professionnel. Je forme le vœu que, toujours en pleine entente et en pleine réunion intellectuelle, entre les magistrats que vous êtes et les avocats que nous sommes, nous puissions trouver les bonnes solutions au bon moment. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, mes chers confrères, une belle journée et de beaux états généraux.